Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ma méthode d'oralisation de l'écriture syllabique. Leçon on, avec les lettres O, N. Comme par exemple le citron, le bidon, le melon ou encore le bâton. Commençons par l'arbre aux syllabes avec le son on. Comme par exemple B, O, N, bon. C, O, N, con. D, O, N, don. F, O, N, fond. J, O, N, jon. L, O, N, long. M, O, N, mon. N, O, N, non. P, O, N, pont. R, O, N, rond. T, O, N, ton. S, O, N, son. V, O, N, vont. À partir de ces syllabes de base que nous avons vues dans l'arbre au son, voyons quelques mots. Comme par exemple le mot citron, que l'on écrit C-I-C-T-R-O-N, tron, citron. Ou encore le mot bidon, B-I-B, D-O-N, don, bidon. Le fruit comme le melon, M-E-me, L-O-N, long, melon. Ou encore ici le bâton avec la lettre B A accent circonflexe bas, T O N ton, bâton, le bâton. Terminons avec un petit jeu où je vais mélanger les images et vous allez retrouver les mots ou l'écriture des mots. Par exemple, cette image représente quoi? Un melon. Et comment écrire un melon? Comme ceci. M-E-me, L-O-N, long. Melon. Voyons une autre image. Comme par exemple ceci. Il s'agit d'un bidon. L'écriture est la suivante. B-I-B-D-O-N, don, bidon. Prenons le cas ici de ce fruit. Comment s'appelle-t-il et comment s'écrit-il? C'est un citron. C-I-C-T-R-O-N, tron, citron. Et enfin, à quoi ressemble donc cette image et comment l'écrire? Il s'agit d'un bâton, bien sûr. B-A, accent circonflexe bas. T-O-N, ton, bâton. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi avec les liens qui s'affichent et qui sont cliquables pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.